Salut à toutes et à tous, c'est Lipity. Bon, alors on se retrouve pour malheureusement une très mauvaise nouvelle. Hein. J'avais commencé un peu à vous prévenir ces derniers jours. Il y a eu un gros problème avec la carrière athlétique Bilbao. Alors je vous le dis tout de suite, hein, elle est arrêtée, stoppée définitivement, terminée, caput, morte, KO, niette, nada, prout, crotte, zut, morte. Ouais. Alors pourquoi? Eh ben, je vais vous le montrer, hein, comme ça au moins il n'y aura pas de personnes qui diront ah mais non c'est faux, nanana. Comme ça au moins vous aurez la preuve. Bien, alors on va regarder, hein, je vais vous faire l'exemple. Avec une carrière d'entraînement, bon, faites pas gaffe aux autres, hein, c'était des carrières lol, hein, où je les appelais avec des noms tout pourris. Alors donc, on va faire ça, vous voyez, il y a entraînement et athlétique. Alors on va aller voir entraînement. C'est la carrière que j'avais créée pour m'entraîner tranquille en Arabie Saoudite, pépère, voilà, vous voyez, une carrière Arabie Saoudite. Que là, vous me suivez. Voilà, on va regarder tranquillement. Certains ont déjà deviné ce qui s'est passé. On va sur l'athlétique. Et là. Oh, bah ça alors. C'est pas l'athlétique, ça. Eh ben non, c'est pas l'athlétique. Voilà. Alors maintenant, on va revenir au menu. Et maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, on va dire que à 50%, c'est la faute du jeu. Et à 50%, c'est la mienne. Alors, on va commencer par moi. Donc j'ai pas fait attention, comme j'ai l'habitude, j'ai appuyé très vite, parce que, et là j'en viens à la faute du jeu, parce que normalement, enfin je sais pas si vous ça vous le fait, mais moi j'ai toujours eu ce truc, où en fait je sauvegarde une première fois sur une carrière, et à la deuxième sauvegarde, ça me met automatiquement la sauvegarde de la dernière, enfin sur la de ça me met directement sur la dernière sauvegarde que j'ai faite. C'est-à-dire, ça aurait dû me mettre sur entraînement. Je l'avais déjà fait, plusieurs fois. Et je ne sais pas pourquoi. J'avais avancé et je veux sauvegarder. J'ai pas fait attention. Normalement, ça aurait dû être prioritaire sur les sauvegardes. Et bah là, ça a bugué. Et j'ai pas fait gaffe. Et j'ai appuyé vite. Et en fait, je me suis aperçu en regardant un petit peu après que j'ai sauvegardé sur la carrière athlétique. Voilà, donc en fait, bah voilà, en partie c'est ma faute et en partie c'est la faute du jeu qui a bugué, le système de sauvegarde a bugué parce que d'habitude, moi ça me met toujours la sauvegarde prioritaire. On va dire par exemple, je fais une sauvegarde A et B. Je joue à la A, je sauvegarde. Je vais jouer sur la B et je sauvegarde une première fois. Normalement, à la deuxième sauvegarde, moi ça me le fait, hein, je sais pas vous, hein, je dis ça, hein, peut-être ça faisait que moi, mais normalement ça devait le faire à tout le monde. Ça me met normalement la carrière B devant la A. C'est-à-dire que je peux sauvegarder sur la B et la A, elle est en deuxième place. Et bah là, ça m'a pas fait ça. C'est j'ai sauvegardé sur la B et ça m'a laissé A et B. Ça a pas fait B et A. Voilà. Donc, voilà, sympa le bug, merci. Hein, franchement, bon. C'est dommage parce que c'était une carrière super, une super carrière, très sympa. Franchement, c'était un sacré challenge de devoir recruter que des Espagnols. À la base, c'est que des Basques, mais dans FIFA, il y en a pas assez. Donc c'était sympa de devoir faire le recrutement sur les Espagnols et surtout bah, d'en créer, de faire des jeunes joueurs espagnols. Donc voilà, ben bah, merci, merci, hein, voilà, hein, ça, sympa le bug. Et donc du coup, je viens vous demander, d'ici vendredi, vous avez 2 jours à peu près, je vais vous mettre un lien pour voter pour soit on fait une carrière pro. Soit une nouvelle carrière manager, je verrai le club au choix. Hein. Je verrai ça tranquillement. Mais voilà, je vous proposerai de choisir entre soit une carrière pro, soit une carrière manager. Voilà, donc ça sera à vous de choisir et ça sera dans les commentaires. Voilà, donc et ben, pour l'instant, bah, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein, voilà, je suis désolé, ça surtout, hein, c'est surtout ça, je suis désolé, hein, mais bon, bah c'est les aléas, hein, il peut y arriver des fois des problèmes. Mais... C'est fort dommage, c'est fort con, parce que c'était une carrière très sympa, je m'amusais bien. Donc tant pis, tant pis, tant pis. Donc bah voilà, j'espère que vous serez pas trop déçus. Je pense qu'il y en aura qui seront vraiment déçus, parce qu'ils aimaient bien cette carrière, je comprends, c'est normal. Donc voilà, bah c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Hein. Donc j'espère que vous comprendrez ce qui s'est passé. Hein. C'est bête, hein. C'est vraiment con, mais bon, c'est voilà, hein. C'est comme ça. Pas faire autrement. Le système de sauvegarde est un peu mal foutu, hein, puisque normalement c'est ce système, c'est un peu le système
FM. Sur FM, vous faites une sauvegarde, plusieurs sauvegardes, et à chaque fois que vous êtes sur une carrière, lui, il va détecter automatiquement la sauvegarde sur laquelle vous jouez. Donc il la met en pole position et vous pouvez sauvegarder tranquillement à chaque fois. Enfin bon. Enfin bref, bah voilà, hein. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc j'espère que vous ne serez pas trop déçus, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Si vous avez eu la même expérience que moi sur ce FIFA ou un autre, hein, ça peut arriver, hein. Moi, c'est pas le premier FIFA où ça m'arrive, hein. Ça fait déjà le 3 ou 4e. Donc voilà. J'espère que vous ne serez pas trop déçus. N'hésitez pas à vous abonner. Vous abonnez à un petit commentaire, un petit pouce bleu pour le soutien, hein, parce que quand même ça me fait bizarre quand même, parce que cette carrière était sympa. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à voter, hein, pour ce que vous voulez voir un petit peu après, ben, pour remplacer cette carrière. Voilà. Allez, salut à tous, bisous et bonne journée.